Salut à tous, c'est Mister Prison, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo que ça fait la deuxième fois que je recommence. Alors que je m'étais déjà tapé le donjon deux ou trois fois avant, pour pas louper la vidéo. Mais je vais louper quand même. Donc ouais, je vais louper, bah j'étais à... on va dire 90% de la fin et... c'était n'importe quoi. Enfin j'avais fait 90%, j'étais à 10% de la fin. Ouais, je t'aurais été fort en maths. Et ouais, bah je me suis paumé en fait. Donc à force de chercher, bah ça rendait la vidéo un peu pourrie, puisque pendant 2 heures j'ai cherché... Enfin 2 heures... pendant 10 minutes j'ai cherché un truc, alors que j'étais à la fin du donjon et que j'avais presque fini la vidéo, donc ça faisait un peu chier. Donc là ouais, faut faire passer cette grosse boule de l'autre côté, parce que c'est la particularité de ce donjon, c'est qu'on va devoir utiliser cette boule. Vous allez voir. C'est quoi, ça peut tuer les ennemis? Ah bon, je m'en souviens pas. Normalement j'ai foutu un coup sans faire exprès. Bref, faut utiliser la boule ouais pour faire pour casser des piliers. Avec un magnifique effet visuel, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Mais pour ma part, ça a fait disparaître Link et la boule. Alors. Cette boule va falloir la traîner un peu partout dans le donjon. Je dis beaucoup de mots aux boules dans mes phrases. Hein. Je crois que je vais devoir mettre la vidéo en contenu pornographique. Putain. J'ai failli pleurer là. Alors, bah là j'ai pas le choix, je la balance dans les pics. Donc faut essayer de la lancer la plus à gauche possible en fait. Comme ça, bah... comme ça on arrive à se mettre dedans en fait, sans être dedans. On peut même avancer un petit peu comme ça. Tant qu'on a la limite des pics en fait, c'est bon. On peut faire le fakir. Ouais. Là, on va lancer de l'autre côté. Donc ouais, si je le fais comme ça, sans réfléchir, c'est parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Hein. Je vais pas me monter parce que la première fois que j'ai enregistré la vidéo... j'ai fait le malin et puis comme un con je... Enfin j'étais là ouais, je connais par cœur. Et puis après je me paumais comme un con. J'avais l'air bien con. Là je retourne en arrière parce que j'ai oublié un truc. Donc ça c'est pas assez optionnel hein. Donc là faut lancer des têtes de cheval. Je sais pas ils ont eu cette idée à la con mais bon. Ouais, ça doit être des pièces d'échecs ou un truc comme ça, mais je comprends pas trop le rapport avec Zelda, mais... Oula. Il y a un petit son bizarre. Donc ouais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un espèce de problème de son à la con, là, qui grésillait régulièrement, en fait. Je crois avoir trouvé la solution, mais je suis pas sûr. On va voir, hein. Normalement la vidéo devrait pas avoir de problème. Donc là faut les arrêter tous sur le même signe. Le meilleur moyen c'est les taper tous en même temps. Bon là je pars ici. Voilà. Donc une boussole. Blablabla. Ouais, c'est bien ce que je pensais, le son déconne tout. Bon bah écoutez, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la ROM qui va pas, enfin bon. Ça le fait que sur ce jeu, donc je suppose que c'est un petit problème d'émulation sur ce jeu. Donc là il y a Kirby, on joue à Super Smash Bros. Kirby contre Link. Bon, on est que deux hein, mais... Ah non, il y a... il arrive pas à m'avoler. Parce que je saute. Qui est con Kirby? Ce serait bien qu'il fasse une espèce de mini-jeu là, genre s'il nous avale, après on contrôle Kirby en... avec le pouvoir de Link. Je dis de la merde. Donc là-dedans il y a le bec de pierre pour les statues de chouette, mais on s'en fout parce que bon, on n'en aura pas besoin. Mais sinon pour le récupérer il fallait tomber dans vous en fait. Enfin en même temps vous n'avez pas tombé d'en bas mais... Quoique... Tomber d'en bas vers le haut. Non. Je dis de la merde. Donc là, petit mini-boss, il y en a deux dans le donjon. Faut le tuer avec le boomerang ou le grappin.
Bon, il est pas très fort, hein. Je crois que c'est 4 coups, ou 3. Voilà. Et là, on va tomber à gauche. Donc, vous pouvez tomber dans un des deux trous à gauche, au choix. Vous pouvez essayer votre trou. Et après, vous remontez pour un coquillage ici. Alors, je sais pas si Kirby peut nous faire tomber de là. Parce qu'en fait, il essaie de nous aspirer, donc peut-être pas. Ça, c'est entre les boules, choisissez votre trou et Kirby qui veut nous avaler. Ça peut être un peu la confusion quand même. Donc, voilà. Et là, bah, je vous montre à quoi ressemble le donjon. En fait, il y a 4 niveaux. Et en fait, si vous voulez, alors si je me trompe pas, que je dise pas des conneries, vous voyez le niveau du boss, on va le faire tomber. En fait, on fait tomber des piliers pour faire tomber le niveau le plus haut du donjon. Alors, je sais pas si la carte change, il me semble, mais je suis pas sûr. Essayer. Ok. En fait, l'astuce, c'est de taper au moment où il y a le signe d'avant qui apparaît. Comme ça, bah, le temps que votre épée le touche, ça tombe sur le bon truc. Donc là, faut absolument faire apparaître ce coffre. Car on aura besoin, en fait, on va tomber là, au niveau de la statue de chouette. Et on aura besoin du grappin pour passer de l'autre côté. Voilà. Alors, attendez, j'ai dû faire une connerie, là. Normalement... Ah oui, en train de me dire normalement c'est baisser les blocs. En même temps il y a le truc juste devant moi pour les baisser. Alors. C'est par là. Et on tombe. Comme ça. Voilà. Donc en fait l'écu niveau 2. Bah il sert à rien. Enfin. Il sert à quelque chose. Bon, c'est un petit peu... c'est à moitié inutile, on va dire. Alors, attendez. Donc, voilà, faut tomber, mais je suis pas sûr du sens des blocs. Il me semble qu'il faut y aller, c'est comme ça. Voilà. Et là, alors, ne surtout pas changer de niveau. Là, si vous allez à un étage en dessus, au-dessus ou en dessous, bah, après, vous êtes dans la merde, parce que... Parce que le coffre disparaît, on peut plus lancer le grappin dessus. En fait, pas comme moi la première vidéo, là, enfin la première fois que j'enregistre la vidéo, mettez-vous bien à droite. Parce qu'on va qu'on raconte, je m'étais mis à gauche. Et ben après j'étais tombé dans un trou parce que j'ai fait le malin avec le bouclier et la tête de mort. Qui m'a fait tomber dans un trou. Je sais, c'est un peu ridicule de tomber dans un trou, mais... Parce que ça c'est un peu cette partie des salles super simple. Voilà, donc ça faut le deviner de mettre la bombe là parce que c'est pas fissuré, mais vu que c'est fissuré de l'autre côté. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Alors ça me l'a déjà fait une fois, j'ai aucune idée de pourquoi. Ils sont réapparus alors que j'ai pas changé, enfin à moins que j'ai des pertes de mémoire, mais ils me semblent pas avoir changé de niveau là. C'est peut-être parce que j'ai pris trop de temps, je sais pas. Donc quoi, la tête de mort, vous pouvez la tuer au bon moment. Je suis pas très... enthousiaste sur cette vidéo, je sais, mais c'est parce que je l'ai recommencé, donc je m'éclatais bien la première fois, c'était très drôle. Putain l'enfoiré. Excusez-moi. Ah putain, je suis obligé de recommencer. En fait, je peux pas passer la salle dans l'autre sens, donc... je peux pas tomber dans le cul. Putain, ça me saoule. J'avoue, j'ai pas envie de la enregistrer une troisième fois. Bon alors, il y a sûrement plus court que ce que je suis en train de faire. Seulement, bah vu que... c'est le chemin que je prends normalement pour faire le donjon dans le bon sens. Ah bah ouais. Ok, maintenant le coffre, tu restes ici, s'il te plaît. Voilà. Donc ouais, je disais, je suis pas très enthousiaste pour la vidéo, parce que...
Je l'ai fait une première fois, c'était très drôle, je n'arrête pas de me louper, j'étais mort de rire. Mais le problème c'est que, bah voilà, je l'ai gâché à la fin. Parce qu'elle prenait trop de temps et... Ça faisait chier. Ne vous en faites pas, c'est juste que là, j'ai dormi 3 heures. Et j'ai recommencé la vidéo alors que je m'étais entraîné pour la faire avant. J'y prends plaisir hein, quand même, hein, faut pas croire. C'est bon. Genre, en fait, j'ai l'impression de me répéter parce que je refais exactement la même chose que donc. Pour ça, je dis pas de conneries. Parce que, alors, vous le voyez qu'une fois, hein, si je répète. Je re-répète. Non, je répète. Je répète ou pas? Je répète. On dirait Hooper, on va parler comme ça. Alors. Ouais, si je répète la même connerie, ça vous fera autant rire, mais moi j'aurais l'impression de me répéter. Alors, là voilà, on a cassé le point de pied. Donc plus qu'un. Ouais, là on n'a pas le choix, on se laisse tomber. On va à gauche. Et là j'espère que je ne me suis pas loupé. Yes. Parce que j'aurais pu mal mettre les blocs. Il reste plus qu'un pilier. C'est très chiant ces trucs qui apparaissent à chaque fois là. Et là il va falloir faire la salle des dalles qui nous sautent dessus là. Mais avec la boule. Donc la connerie à pas faire c'est de poser la boule sur un trou. Attendez là j'ai peur. Je préfère la balancer là-bas que... Je suis pas sûr qu'elle était pas à moitié sur le trou. Faut pas mettre les boules dans les trous. Hein. Ok. Je vais quand même s'équiper de boomerang au cas où. Voilà. Je prends des précautions parce que je me suis déjà fait avoir. Oui. Alors si vous demandez pourquoi je prends les chansons quand je passe sur le truc, c'est qu'en fait dès qu'on a le curseur là sur ce truc. Ah bah non. Je crois qu'on était obligé d'en choisir une. Non, non, en fait. Ok. Voilà, ça c'est le dernier. Mais là, vous voyez le donjon. Enfin, niveau 3 du donjon. Non, 4. Le niveau 4 du donjon. Bon, ça dépend si on compte le rez-de-chaussée. Et tomber sur le niveau 3. Donc ouais, en effet, ça change bien la carte. Et alors, on va à gauche. Enfin, dans le trou à gauche. Il me semble qu'il peut sauter, mais je suis pas sûr. Non, surtout pas tomber là. Enfin, ça fait rien, hein, parce qu'on perd juste de la vie. Et c'est un piège. C'est vrai que comme ça, on a l'impression que c'est un truc pour descendre. Puis ouais, la première fois que j'ai fait la vidéo aussi, je m'étais perdu sur ce truc. J'étais allé tout en bas à gauche. Le Kirby m'a avalé et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. J'adore comment j'arrête pas de parler de la première fois que j'ai enregistré la vidéo. En bref, hop. Alors que vous la verrez jamais, c'est bête. Hein. De toute façon, je peux pas vous la mettre, je vais supprimer. Alors. On monte. Voilà. Putain, mais en fait, super rapide quand on joue bien. Bah, comme ça, je vais peut-être pouvoir faire le boss. Et enchaîner avec... avec le passage entre les deux donjons. Qui est très court. Je sais pas si je... Ouais, c'était plus simple d'aller directement en haut. Je crois que je suis en train de speedrunner le donjon, à la limite. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième mini-boss. Il s'appelle Grim Creeper. Enfin, un jeu de mots entre Grim Reaper et Creepy. Voilà. Alors là, le truc... Je vais vous dire, mais c'est quoi ce combat de merde? Mais en fait, faut juste tous les tuer, les chauves-souris, donc vous mettez dans un coin et vous faites ça. C'est un peu le principe des dalles. Si vous les tuez pas tous, il en réinvoque 6 à chaque fois avec une configuration différente, ça fait des dessins, c'est joli. Voilà, et donc la clé du boss déjà. Hein. C'est un peu expéditif, mais le donjon est très court en fait. Mais il faut le faire plusieurs fois pour pas se paumer.
On a vu ça, je vais tuer avec le retour de boomerang et tout. T'inquiète. Voilà. Donc la clé du boss. Et on a plus qu'à tuer le boss. Donc bah là il manque 3 coffres. Donc il y a le bec de chouette. Il y a un truc avec des bombes il me semble. Mais bon, j'ai récupéré l'essentiel. Ouais, ça, il y a un truc avec des bombes. Donc c'est pas grave. Hop. Ah bah attendez. Il y a encore un coffre que je dois récupérer là. Bon alors là c'est la salle de... qui casse les couilles là. Donc là faut absolument s'occuper des deux. Alors ce qui est chiant c'est qu'on est obligé de mettre l'autre. On vient d'en essayer un. Et tant que lui nous voit, il nous tire dessus. Et on peut pas sauter bien sûr quand on a le... Ah ! Tiens. Merde. Ah oui, parce qu'on est obligé de prendre l'autre, putain. En fait, quand on s'en loupe un, on est obligé de faire l'autre quand même. C'est très chiant. Alors j'ai une potion, hein, au pire, mais... on va la garder. Ouh ! Ah, à quoi ça peut servir? En fait, j'en ai déjà un. Attendez, c'est bien la potion, ça. Putain, j'aurais dû crever pour... Non, c'est pas grave. Ah! Putain, en plus, je vais mourir, c'est trop con. C'est vraiment trop con. Bon. Ah oui, c'est ça. Ouais. Là, on pourrait croire qu'il faut faire descendre les blocs ou je sais pas quoi, mais non. Attendez. Ce serait bien que je meure pas et que je garde le médicament. Putain, ils veulent pas me donner de cœur, hein. Super, en plus, là, c'est le boss. Donc, pour le boss, faut vous équiper de 2 choses. Bouclier niveau 2. Bon, ça devait être donjon, c'est logique. Et le grappin. Voilà. Et voilà pourquoi ça s'appelle la tour du vautour. Avec une musique de fou. En fait, faut juste le taper. Dans la tête. Merde. Il y a un petit timing à prendre. Et voilà le problème de ce putain de boss. C'est qu'il faut se le retaper si on... Ah ! C'est très chiant, hein. En plus, je crois qu'il faut tout recommencer depuis le début. Hein. Putain. Il est chiant. Hein. Enfin, en plus, je loupe de peu à chaque fois. Ça devient grave. Ça me fait rire, mais c'est ridicule. Putain, non, je vais pas mourir là! Je vous jure que perdre contre ce boss, c'est là mon tour. Ouf, limite. Thank you.
Ouais, si on le touche, il nous il essaie pas de nous envoler en fait. Faut rester mieux du coup. Ouais, faut mettre le bouclier et puis essayer d'avancer en même temps, hein, sinon ça marche pas. Bon, on se nique un peu les doigts, mais ça marche. Voilà, il nous spoil un peu la fin, cet enfoiré. Oh putain, un point de vie, quoi. Oh, il fait beaucoup de dégâts quand... il nous touche. Voilà, j'ai finalement réussi. Et donc, pour avoir le... je peux te manquer. Ouais. L'orgue. Putain, mais je viens d'où? Ah non, ça va recommencer. Alors attendez. Je viens de là. Ah bah quand même. Alors. Et normalement, l'instrument, il est là. T'as même une énigme pour trouver l'instrument, quoi. Il va nous faire jusqu'au bout, sans forêt. Enfin bref. Voilà. Et donc là, on est content, on est happy. Voilà. On peut aller par là. Ouais, en fait, c'est tellement court entre les deux donjons, là, que je vais pas faire une vidéo, parce que d'habitude, c'est un peu ce que je fais une vidéo entre les deux. Là, on s'en fout, hein. Voilà. Est-ce que ça... touche ou à droite? Merde, il y a pas de carte. Imbécile, je crois. Select, select, select... ouais, j'ai une configuration un peu bizarre de mes touches, là. Ok. Non, c'est pas select. Je sais même plus comment on a la carte. Est-ce qu'on a une carte? Ouais, on a une carte. Et les gens, faut vraiment que j'arrête, hein. Faut vraiment que j'arrête la drogue, là. Hein. Je sais plus afficher la carte. Bref. On passe par là. Putain, il me semble qu'il y a un truc dans le crâne. Voilà. désolé, je peux pas manger de rire parce que je suis vraiment trop con. Putain, c'est où qu'il faut aller alors? Ah, mais c'est trompé en fait. Là, c'était pas là. Attendez, je sais même plus d'où je viens. Ouais, c'est sûr. Oh mon dieu. On voit que la vidéo fera un peu plus de 20 minutes, mais c'est pas trop grave. Et là, vous allez voir à quoi sert le bouclier niveau 2. C'est vraiment ridicule, hein. Je sais pas s'il faut descendre. Il me semble que c'est de l'autre côté. Cet endroit. En même temps, si j'avais juste fait un blaireau et que je l'avais affiché la carte. Eh mais. Je vous jure, c'est pas une mague, hein. J'ai plus affiché la carte.
Je me pose même la question, peut-on afficher la carte? Oui, je commence pas. Putain, mais je suis déjà venu là en plus. Wow, 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 wow. Mais c'est où? au pire, si j'y arrive vraiment pas, je vais couper ici. Attendez. Mais c'est que ça fait tellement longtemps, mais ça fait... Wow, je sais pas. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas touché aux Zelda, là. Peut-être 4. Et ben, je sais plus où il faut aller. Attendez, c'est en hauteur, c'est sûr. C'est peut-être par là, là. Ouais, c'est là. Ça, c'est la maison des poules. Poules. Vas-y, les poules, moi je les tue. Putain, c'est pas chiant ça. C'est pas moi qui appuie sur la touche pour parler. Non, mais elle m'attaque pas les poules quoi. Je crois qu'on est dans le premier Zelda là où les poules nous attaquent pas. C'est pas un Zelda. Putain, on m'a vendu une contrefaçon. J'hallucine. C'est pas un vrai Zelda, les poules m'attaquent pas. Enfin, on m'a rien vendu puisqu'en fait c'est un émulateur mais. Hein. C'est con hein. Alors... Non. Ouais, normalement je fais une vidéo donjon, une vidéo entre les deux donjons. Mais là c'est tellement court entre les deux. Que je vais tout faire maintenant. Voilà. Alors est-ce que c'est par là? Après faut pas que je me paume, hein, c'est sûr, sinon c'est... Je pourrais faire une vidéo entière en me paumant, mais... Alors ça je sais plus ce que c'est. En fait je me rappelle de l'endroit... Passer avec l'écu niveau 2. Et pas du reste. Ouais, c'est là. Dis-moi que c'est là. Si je savais afficher la carte, plutôt ça m'aiderait, mais... Ah. Je suis jamais venu là, c'est bon aussi. Ouh. La puissance. Je vais mettre une bombe. Non mais attendez. J'ai trop honte pour la carte. Comment on lâche la carte déjà? Y'a pas de carte ou quoi? Je suis sûr qu'il y a une carte mais... Eh mais vous êtes en train de regarder la vidéo d'un mec qui fait les solistes d'un jeu. Ah bah voilà celle-là. Et qui ne sait pas afficher la carte, hein. C'est pas grave. Et voilà à quoi sert l'écu niveau 2. Wow. Un passe. Et on peut passer sans l'écu niveau 2, hein. C'est ça le plus drôle. Et attendez, mais encore plus drôle. Sinon c'est pas drôle. On va faire là. Bon, on s'en fout de faire un peu. Hop. On va aller vite au donjon. Donc là, ça va être chiant parce qu'il faut tuer le... Faut tuer le donjon, en fait. Je sais plus comment. Comment on le bat, déjà? Faut le réveiller... Avec un truc... Ah, c'est ça.
Bon, il est nul, hein. Voilà, bon, la vidéo fait 30 minutes, c'est pas grave. Et voilà, le niveau 8, Rock de la Tortue. Donc, bah, je vous laisse ici, et puis à la prochaine pour le dernier donjon. Et je pense que là, il reste 2 ou 3 vidéos maximum. Hein. Donc, ce donjon, et puis la fin. Allez, à la prochaine, salut!